ça, fais gaffe au à ça. Ok. Allez. D'accord, c'est bon. Merci. Ça y est, t'as le droit d'y aller. Allez, on y va. J'enregistre. C'est parti. C'est bon? Allez Clarisse. Qu'est-ce que tu fais Christine? Je prends une petite goutte de sang pour évaluer la production de lactate. C'est quoi les lactates? Alors les lactates c'est... Il est produit par le muscle et au bout d'un moment il passe dans le sang, c'est pour ça que je le prends pas tout de suite après l'arrivée, je lui laisse le temps de passer dans le sang. Et c'est un témoin de l'utilisation d'une des filières énergétiques qui s'appelle la filière anaérobie. Et qui donc le témoin c'est un morceau de sucre coupé en deux, lactate, et on mesure ce petit bout de sucre dans le sang qui est souvent associé à l'image d'un poison, mais qui n'est pas un poison. D'accord, est-ce que c'est ça qui fait des courbatures? Non. Non. D'accord. Et là, ils sont dans un cycle anaérobie Ils sont sur un cycle de développement des qualités anaérobie et de l'endurance durée dans ce système-là, ce qui est assez douloureux. Hein. Donc, il faut qu'ils apprennent à être économiques pour pouvoir durer un peu plus dans ce système-là. Et là, comme on a fait cette séance en début de cycle et que là, c'est la dernière séance du cycle, ça nous permet de comparer les adaptations à un cycle d'entraînement, en espérant qu'on ait des témoins d'une meilleure économie de course en fin de cycle. D'accord. Voilà. Merci. Et là, elle a produit 11 millimoles après un 400 en un peu moins de la minute, et c'est excellent. Ils ont fait un premier 400 mètres au tout début du cycle, il y a presque 8 semaines. Et donc là, à fin de cycle, ils vont refaire le même 400 mètres, le premier de la série. Et on va comparer ce qu'ils produisaient il y a 8 semaines, ce qu'ils produisent là après un cycle d'entraînement sur des allures de course comme ça, où on a fait beaucoup, beaucoup de répétitions, où c'est un secteur qui est très épuisant. Et on court en fait dans le cœur du 800 mètres. C'est-à-dire le 800 mètres, il y a un 200 rapide, 400 mètres qu'on appelle le cœur de la course, et 200 mètres qui sont dans le dur, très dur, quoi. Et là, on court dans l'allure du cœur. Et on répète jusqu'à quasiment, on va frôler l'épuisement total. Ça va dépendre des athlètes, de leur façon de récupérer, où ils en sont. Quoi. Comment il va le gars? Ça va, il va. Nickel pour l'instant. C'est dur aujourd'hui, hein? Bah ouais, c'est le but. Ça va les gars? Tu vas bien? Ouais. C'était bien l'Espagne? Pas mieux que ça. Ça va bien pour elle? Ça roule, ça a l'air d'aller, elle vient d'en faire un là. Ah, c'est le début qu'elle est encore debout. Il court en combien là, 400? 1 minute, 15 secondes au 100 mètres, 24 km/h. Séance difficile aujourd'hui, Pierre-Ambroise? Bah, ça commence mal, t'as vu? Là, c'est... Ils m'enlèvent les poils et tout, c'est presque de la torture, quoi. Au niveau du rythme des 400, là, c'est... Ils ont 5 minutes de récup entre chaque passage. Et c'est combien de pourcents? Ils sont à allure complète, je crois. On est entre le allure 200 et le 600. 400 mètres intermédiaire, entre le 200 et le 600. C'est dur, Clarisse? Un petit peu. Ça demande un maximum de concentration pour faire vite faire partir le lactique. Comment tu fais?
baisser la respiration, essayer de la contrôler, revenir à un rythme normal, puis oublier ce qu'on a fait, prendre l'un après l'autre. Du coup, je t'embête. Un petit peu. Allez, ça relance là, c'est bien ça. Allez Clarisse, allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, ça relance, ça relance, ça relance. Allez. C'est cuit. Allez encore. Allez, allez. Ouais. Allez, c'est toujours bon ça, tu attaques, allez. Allez maintenant, allez. Allez encore. Allez. Allez, allez. Allez, jusqu'au bout. Encore. Encore, encore, encore. Allez, allez, allez. Encore. C'est le dernier ça. 54. J'ai perdu ma lentille. T'as perdu ta lentille? Ouais. Franchement, t'en arrives des trucs. C'est tellement sec à l'intérieur. En pleine course, c'est parti. Et t'es pas explosé par terre comme à la première séance, hein? Ouais. Une sacrée différence. Il manque encore. C'est dur. Bon, commence pas par terre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est que j'ai fini. Ouais. Plein de trucs bien. Il y a des sources encore de programme, mais il y a surtout plein de trucs bien. Nickel, nickel. 32-2 au dernier 200. En étant bien plus chargé qu'un 8, non? Hein? Tape. Désolé. Ah bah non, c'est bien. Attends, mais c'est pas fait et pour... Et c'est plus dur qu'un 8. Attends, je reviens, ça coule plus. C'est pas fait pour faire ça easy, hein. C'est fait pour aller toucher le fond. Oui, je pensais que j'allais pouvoir faire mieux que ça. Non, les deux premiers 59-9, c'est bien, c'est bien. Si je te mets en 61, tu finis. Mais en 60, c'est plus intéressant. Tu vois? Là, tu fais une 3. Tu vois, tu fais une 3. On peut imaginer que tu vois, si tu fais ça dans le deuxième tour d'un 800, en passant à 58, c'est bon. Tu vois, c'est déjà, t'es déjà capable de faire ça dans très peu de temps. C'est plus dur qu'un 8, ça. Hein? Ça me paraît facile après. Sur 20, entre 8 et 20, combien tu cotes la séance en difficulté? 17. 7. Tu te rappelles combien t'avais mis la première fois? J'avais pas fait la première fois, on m'avait pas demandé. Bien joué, Emma. On est content quand c'est fini. C'est quand même un peu la séance qu'on redoute. Ça fait 2 mois qu'on en parle. On se prépare progressivement sur notre semaine pour arriver à cette fameuse séance. Donc, même si à la fin ça reste qu'une séance, il y a toujours un peu d'appréhension. C'est bien Clarisse. Là, tu vois, c'est capable d'enchaîner ça. Après, ce qui est bien, c'est que les 3 premiers, je les sens pas, quoi. Je me sens bien. Ah, c'est le but. Après, tu sais que ça monte. Hein. Et depuis le début qu'on fait ce type d'exercice, ça monte, mais c'est de plus en plus contrôlé. Parce que si je te rappelle les premières séances de ces trucs-là, tu finissais en marchant. Ouais. Enfin, d'ailleurs, j'avais fait 65. Oh, bah oui. Enzo, dis à Béa que je crois que le gluteus il est décollé ou qu'il y a un truc. Attends, tiens. Si jamais il faut changer les électrodes, je pense que t'es déconnecté. Allô? Oui. Béa, appréhension. Gluteus. Un peu quand même, parce que c'est la grosse séance, mais ça va. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Ces électrodes, ça te gêne pas?
Non, c'est plus bizarre qu'autre chose. Mais ça va. On ressemble à des robots. Pas encore, quand même. Bientôt. Merci. C'est tout bon. Ça va la maladie? Pas trop handicapant? Mais c'est que le fait que je respire mal, en fait. Donc la gorge qui est sèche, donc c'est un peu galère. On va le noter quand même que t'es pas au top. Chaque courbe correspond à un muscle. Bon là en l'occurrence c'est pas ce qu'on enregistre parce qu'elle est en dehors du champ. Mais chaque voix, chaque ligne correspond à un muscle enregistré effectivement. Ça va? Ça fait mal là, ça commence à monter. Ça fait mal où? C'est ce que... On voit la souffrance quand même là, Bruno. Pardon ? Aujourd'hui, on les voit souffrir quand même. Oui, oui, oui. Ah, ça fait partie de leur épreuve, hein, malheureusement. Hein. Donc je suis un peu le bourreau, si tu veux. Avec Adrien, il faut quand même mouiller Adrien. Hein. Voilà, on est les bourreaux, mais bon... Là, on va... Je peux pas dire qu'ils ont un certain plaisir à souffrir. Hein. Ils ont un plaisir à courir. Et là, cette année, c'est un peu... C'est une séance qu'on fait tous les ans, mais là, on a construit toute une progression autour de ça. On verra. Période où faut être en forme, qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr. Il n'y a qu'à se couvrir. Hein. C'est dur, Bruno, quand même. Ça fait partie du haut niveau. Si tu dors cul nu alors que tu prépares les Jeux Olympiques quand il caille, bah t'es malade. Tu rates les Jeux si t'es malade. Il faut apprendre à pas tomber malade. Ça fait partie du jeu. Et comment tu veux faire? T'es pas champion olympique si t'as un ongle incarné. Alors si t'es enrhumé, encore moins. Hein. Donc tu te couvres. Tu mets des pulls, tu sors pas n'importe comment, tu te mouilles pas. Ils ont 5 semaines pour faire les minima. Donc s'ils se tombent malades pendant les 5 semaines, eh ben ils sont morts. C'est comme ça. C'est pareil pour tout le monde. Si Pierrot tombe malade, si machin, c'est la vie. Le haut niveau, faut tout maîtriser. Tu peux pas sortir avec ton petit chemisier alors que c'est pas la période. Allez, 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 allez
cadence. On serre les bras. Encore. Encore jusqu'au bout. Pousse à plus. Pousse à plus. Pousse à plus. Encore. Encore. T'as un truc qui t'a fait bien, c'est que tu t'es engagé alors que tu étais très malade. C'est quelle main? C'est celle-là ou l'autre? C'est lui. Non, c'était trop nul. Les temps sont pas bons. C'est ça, mais c'est l'engagement, nul. L'engagement, il y est. Mais si les temps sont pourris, la séance elle est pourrie. Les lactates sont montés tout de suite, toute la nuit. C'est pas toi qui t'es déballonné devant la séance. Ça me saoule. Si t'arrives pas à respirer, c'est sûr que tu utilises moins ton système aérobie et que tu te mets en difficulté. Tes lactates sont montés tout de suite. Il semble qu'on a la preuve au moins que c'était pas mental. Il y a de l'engagement. Combien tu notes la séance entre 8 et 20? Je sais pas, c'est trop nul. C'est pas la qualité de la séance et ta qualité, toi, c'est la difficulté de la séance. Je sais pas. Entre 8 et 20. 8 le facile et 20 le plus difficile que tu puisses imaginer. 19. T'as encore un peu de marge alors? Mais parce que je me sentais mal et je suis sûre que j'aurais pu mieux faire que ça. Ça me saoule, putain. C'est de l'entraînement, c'est pas la compète encore. Ouais, mais quand même. À une semaine des compétitions, je suis trop nulle. Ah, t'as envie de vomir? Non, j'ai juste trop mal aux jambes là. J'ai pas beaucoup mangé exprès. Je vais vomir. Ah bon? Thank you.
Et tu regrettes pas, même si c'est dur? Non, parce que c'est une passion en fait. Si j'avais pas ça, je pense que je me ferais vraiment chier. Alors que là, ça me libère. Ça me permet de m'exprimer un peu. Donc c'est vraiment top. Mais on prend vraiment cher. Je trouve assez incroyable, Bruno, que Pierre Ambroise, même en récup, il est toujours en train de courir, quoi. Ouais, bah ça, c'est ses habitudes, hein, ça le... il se sent mieux de pas récupérer comme ça et tout, quoi. Donc, il active un peu, il enlève les déchets, etc., quoi, tu vois. Allez, Pierrot. Allez, Pierrot! Quoi? 4 de fait en moins de 52. Le prochain, tu repars le plus loin possible. Bien ça, c'est bon. Pas grave, mais 50 par 50.
Et puis après ça saute progressivement. 4 de fait mon gars, c'était l'objectif. Il y a un cinquième qui saute. T'es en place. Non mais ton sport il est dur quand même Bruno. Ah mais tous les sports énergétiques sont durs. Hein. La natation, l'aviron, le cyclisme. Tous ne supportent pas le moindre truc quoi. C'est une question de rendement et c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui j'en ai vu quand même. Hein. Oui. Ah oui, c'est des séances où on va chercher loin. Hein. Enfin eux ils vont chercher loin, moi non. Hein. Eux oui. Là, ça commence à être agréable. J'ai les endorphines sécrétées. La douleur s'estompe petit à petit, donc ça me donne envie de dormir. Si, mais ça n'a pas envoyé. Avec une petite migraine qui persiste quand même. Et vomir, ça t'a fait du bien? Ouais. C'est comme si ça avait évacué mes déchets, des muscles. Alors qu'en fait, c'est juste mon ventre qui s'est vidé, c'est tout. C'est psychologique alors. Ben ouais. Mais j'ai plus mal aux muscles là, plus du tout. Faire.
seras sorti de cet état dans combien de temps? Je pense 30 minutes. Dans 30 minutes, ça ira mieux. Voilà, dans l'allure. Parce que celui qui souffre en ce moment, c'est lui et c'est plus moi. Ça, ça fait plaisir. Chacun son tour, je suppose. Pourquoi tu fais tout ça alors, Pierre Ambroise ? Pour gagner. Pourquoi d'autre ? C'est celui qui se fera plus mal. Parce que le plus doué dans ma discipline gagne plus forcément. Ça marche plus comme ça. Heureusement pour moi d'ailleurs. Allez, jusqu'à la ligne, allez. On relâche pas avant. C'est mon seul moyen d'être plus fort que les autres. C'est de tous les jours avoir plus mal que les séances que j'ai déjà fait auparavant. Parce que la clé, il y a une belle récompense quand même. C'est sorti deux fois à respirer, c'est... Ouais, on étouffe ici. J'aurais préféré la faire dehors aujourd'hui, la séance. Déjà parce qu'on a plus de repères sur une piste de 400 mètres. T'imagines, ici, ils ont ouvert toutes les fenêtres et puis on respire toujours pas. Donc j'ai besoin d'évacuer un peu, de reprendre un nouveau souffle. Puis rien que la lumière du soleil, elle fait du bien hein, ici. On étouffe et à partir du moment où l'acide lactique monte, ça étouffe le cerveau. Et c'est comme si, tu sais, sur l'ordinateur, tu diminuais la luminosité. Je ressens exactement la même sensation. Là, je vois sûrement pas de la même façon que toi en ce moment. C'est une vision beaucoup plus trouble. Voilà pourquoi j'évacue dehors, dans les règles. Ça touche la vision et ça touche d'autres sens ou pas? Ouais, ça touche quasiment tous les sens. D'une part, la vision, c'est ce qui est touché en premier. Mon ouïe, petit à petit, j'entends beaucoup moins les consignes, alors je ne sais pas si c'est un manque de concentration ou réellement le sens en lui-même. Tu vois, il y a la prise de lactate. La première fois, je sens. Et puis, petit à petit, quand l'acide lactique monte, je ne sens plus rien du tout. Au tout début, je sentais même le sang qui coulait sur moi, je le savais. Et puis à la fin, plus rien. Cette sensation-là que tu as eue, là, tu l'as sur une compétition en fin de course ou pas? Oui, bien sûr. Mais globalement, beaucoup moins. C'est décuplé à l'entraînement parce qu'il y a beaucoup plus de courses, il y a plus de mètres tout court. En tout, on fait à peu près deux fois plus que la course pour les spécifiques comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait 5 fois 400, 2000 mètres. La course, c'est 800 mètres. Si tu sais que l'acide lactique, après une course, monte globalement entièrement, enfin, sort des muscles et va dans le sang au bout de 3 minutes. Nos récup font 5 minutes aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'on a le temps de bien apprivoiser le lactique et on recommence. On recommence avec le lactique et on repart. Donc c'est globalement beaucoup plus dur qu'un 800 mètres. Le 800 mètres, c'est surtout beaucoup de concentration. Chaque erreur compte. Et puis il y a l'aspect des concurrents aussi. Tu rajoutes à ça le stress. Mais si tu te fais mal à l'entraînement, je vois pas pourquoi tu serais nul en compète. C'est ma théorie. Elle marche sur moi.
C'est essentiel. Combien? 50 produits. Voilà, bon.